Ah là là, Minecraft, quel beau jeu quand même. D'ailleurs, en fait, je me suis demandé, en fait, est-ce que les armures, en fait, nous protègent des dégâts de chute? Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Nous allons tout simplement avoir une petite armure en cuir. Donc là, en fait, comme vous pouvez le voir, en fait, je suis tout simplement à 22 blocs. C'est tout simplement la limite, en fait, de Minecraft, ce qu'on peut, enfin, de ce qu'on peut atterrir, quoi. Donc, regardez, on va tomber avec une armure en cuir et on prend un milliard de dégâts. Cette fois-ci, on va essayer avec une armure en maille, d'accord? D'ailleurs, en fait, si vous avez remarqué, l'armure en maille et l'armure en fer se ressemblent vachement, hein, quand même. Donc, on va équiper la petite armure comme ceci, voilà. Et nous allons essayer de tomber avec, attention. Et non, ça fait toujours le même dégât. Cette fois-ci, nous allons faire avec l'armure en fer qui est juste ici, attention. Nous allons essayer, est-ce qu'on va prendre moins de dégâts de chute, attention. Et c'est toujours pareil. Putain, mais les armures, elles servent à rien dans ce jeu! Allez, cette fois-ci, je suis sûr que j'ai une chance. On va essayer avec l'armure en diamant, c'est parti. Attention. Et c'est toujours pareil. Mais en fait, les armures, ça protège rien du tout. Je vais vraiment faire un scandale à Minecraft. Attention, les gars, on tente le tout pour le tout avec une armure en or. Attention, avant la netherite, c'est parti. Et bah, de toute façon, je m'en doutais, hein. Et cette fois-ci, le tout pour le tout, les gars. Les bottes, enfin, la tenue en netherite. On va voir si elle nous protège, attention. Et ça fait toujours pareil. Donc, les gars, retenez bien qu'en fait, la tenue ne protège rien du tout. Allez, abonnez-vous pour plus d'expérience.